Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un tout petit cadre façon mix média. C'est un petit cadre donc que j'avais dû trouver chez Action, je crois, je ne suis pas sûre mais il me semble, qui mesure 10 par 10 cm, donc c'est tout petit. Je vais utiliser un pochoir qui vient je crois de la boutique de Ninon, Horizon Créatif il me semble. Du gel médium pour coller mes embellissements, peut-être même mon pistolet à colle chaude, je vais voir. Du carton, des petits cartons que je garde quand j'ai fini mes albums. Souvent, je garde mes petits bouts de carton, puis je m'en sers pour faire de l'épaisseur. Des petits embellissements en métal, d'autres petits embellissements qui m'avaient été offerts par Laure, mon ami Laure, qui m'avait offert une petite boîte avec plein de petits trésors à l'intérieur. Plein, 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 plein. Donc de temps en temps je pioche dedans, merci Laure au passage. Des petits embellissements que Carole aussi m'a offert, donc là j'avais très envie de m'en servir également, donc ça va être l'occasion. Du gesso noir je pense, et puis après des patines pour la mise en couleur. Alors ce que je vais faire comme d'habitude, je vais vous laisser en musique et je vous retrouve à la fin de la vidéo. A tout à l'heure. Thank you.
Donc j'ai terminé ma petite création façon mix média. Donc vous m'avez vu tout d'abord passer ma petite toile avec du gesso noir. Je fais toujours ça quand je veux utiliser des patines ou des mousses un petit peu brillantes, de façon à vraiment faire ressortir les couleurs. Donc du gesso noir. Donc ensuite j'ai posé mes différents embellissements c'est de la cartonnette. Hein. Puis j'ai utilisé des petits éléments en bois et puis en métal. Donc je les ai collés avec du gel médium, donc celui-ci. Et pour que ça prenne un petit peu plus vite, j'ai rajouté quand même une petite pointe de colle chaude pour que ça tienne tout de suite. Le gel médium, ça va permettre de faire tenir vraiment dans le temps. La colle chaude, parfois, ça se décolle quelques temps plus tard. Hein, alors que le gel médium, normalement, c'est quelque chose qui tient très très bien et très longtemps. Ensuite, au niveau des patines. Alors, les patines, j'en avais qu'une de patines. Je n'en ai utilisé qu'une seule. C'est la patine Gold. Donc, de Viva Décor. Donc, moi, j'aime bien les patines. Je préfère un petit peu les patines aux mousses Nouveau. Alors, la bleue, je la trouve pas particulièrement brillante. Alors que la Copper, celle-ci, elle est un petit peu plus brillante déjà. Donc voilà, c'est les trois mousses et patines que j'ai utilisées pour avoir cet effet un petit peu brillant, vieilli. Enfin, c'est vraiment l'effet que je recherchais. Voilà, c'est le genre de petite création mix média que j'aime bien faire parce que c'est rapide. Enfin, c'est rapide, c'est pas parce que c'est rapide, parce que c'est un plaisir quand même. Hein. Donc ça pourrait prendre une heure que ça ne me dérangerait pas. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. C'est un petit support. Donc alors derrière, bah oui, il faut améliorer un petit peu. Hein. C'est un petit support, donc c'est quelque chose qui va vite à remplir quand même. J'ai pas forcément cherché à remplir tout l'espace, étant donné que j'avais mis quand même pas mal de pâtes de texture sur l'ensemble de ma petite toile. Donc les espaces sont comblés en fait avec les motifs du pochoir que j'ai utilisé. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça rend bien. Le bleu, ma foi, va assez bien avec le marron et le doré. Je trouve que c'est pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est une petite création. Hein. Mais voilà, je trouve que moi je me fais vraiment toujours très très plaisir quand je fais ce genre de petite créa. J'aime beaucoup. Pour le ruban, donc vous avez vu que j'ai utilisé un ruban qui était doré à la base, mais ça me plaisait pas trop, donc du coup j'ai tout simplement mis un petit peu de mousse copper sur mon plan de travail et j'ai peint, on va dire ça comme ça, j'ai trempé mon pinceau dedans, je l'ai peint et du coup j'ai un petit ruban façon copper, couleur copper comme le fond de ma toile en fait. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite toile mix média vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'essaye de vous retrouver au plus vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite donc une très très belle journée à tous et à toutes. À bientôt. Bye bye.